tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'Animal Crossing New Leaf spécial carnaval et je suis pas toute seule, vous allez avoir une petite apparition, donc je suis en compagnie de... Et salut tout le monde, c'est Lumios et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Animal Crossing et je suis en compagnie de Jardin Folly dans sa vie animalière. It's me. On espère que le son est pas vraiment trop pourri parce qu'on a eu un peu de mal, ouais. On dit honnêtement. On a galéré, on a eu du mal. Malade. On a mis 20 minutes à faire le cadrage et tout. Enfin, surtout moi. Voilà, on va pas spéculer là-dessus. C'est le premier carnaval de Lumio, je crois, non? Ouais, c'est mon premier carnaval. Je sais pas du tout comment ça se passe. C'est toi qui vas me dire qu'est-ce qu'on va faire, etc. Bah, on va s'ennuyer. Non, je déconne. Je vais juste te donner le petit déguisement que j'ai réservé pour toi. Alors attends. Okay. Donc je vais éviter de courir. Ouais, j'ai les poches pleines. Attends. Alors normalement c'est ça. Je suis caché derrière l'arbre, personne ne me voit. Après, j'ai pas de chaussures, mais normalement t'as la coiffe. Yep. Attends. Et normalement il y a ça avec. Ah, bah ramasse parce que j'ai plus de place par terre. Oups. Je suis en train d'écraser toutes tes fleurs. Bon, c'est pas grave. Alors, faut que je fasse tout le tour, hein, parce que sinon je pourrais jamais récupérer... Voilà. C'est bon? Là, je peux te mettre le truc... Alors, ça vient des galeries, donc tu fais gaffe. Ok. Voilà, tu le revends pas. Donc. Et moi, je vais me déguiser là. Alors, à la vue de tous. D'accord, moi je me déguise ici, parce que j'ai aucun respect envers mes abonnés. Hein. Il est pudique, regardez, il se fout. Vu de là, t'as l'impression que t'es... Alors... C'est quoi ce truc? Et le cadeau, je l'ouvre aussi? Bah ouais. Ok. Attends, moi du coup, je regarde ce que j'ai. Alors... Ça... Oh. Et les chaussettes. Ok. Mon dieu, je suis... tout taxé. T'aurais préféré le masque rose, peut-être? Non, c'est bon, ça va aller. Voilà. Oh, les yeux. Laisse mes yeux tranquilles. Avec mes yeux, mais... Oh non, les yeux. Oh, est méchant. Il est tout étonné. Le... Elle est méchante. Oh, on a l'habitude. Alors par contre, moi je sais pas comment je vais faire parce que j'ai les poches pleines. Ah, mais un petit dilemme là. Sur toi. Je vais peut-être tout mettre sur la plage en fait. Dans deux secondes. Comme d'habitude, elle pollue les plages d'Animalia. Hein. Je pollue. Pour tous ces... Mais d'ailleurs, attends. Oui. Je sais pas comment c'est possible, mais... Pourquoi nous on a que les... J'ai demandé ça l'année dernière mais je me souviens même plus de la réponse. Tu sais, on a le truc là sur la tête, il est rose. Mm-hmm. Alors que les habitants, hein, ils ont différentes couleurs. Bah, peut-être que nous on n'a pas eu de chance et que chez les sœurs doigts de fée, ben c'était rose. Non, non, je crois pas que c'est ça. C'est peut-être que cette année alors. Je sais pas. Non, la dernière aussi je crois que j'avais rose. Bah, t'as peut-être pas eu de chance, il faudra demander aux abonnés. Voilà, ben on vous demande. Voilà, nous sommes cons. Oh, j'ai une plume rouge. Attends. Oh yeah. Je l'ai eu. Moi aussi j'ai une plume rouge. Faut pas le dire, mais moi j'ai déjà chassé des plumes tout à l'heure. Moi, bah en fait, moi j'ai un petit peu chassé aussi. Parce que j'étais là, genre. Oh, une plume, je vais la ramasser. Non, mais en t'attendant, genre j'ai vu une plume rouge et une bleue, je crois. Nakodak. D'ailleurs, attends, je t'ai paumé. Bah, moi aussi je t'ai paumé, figure-toi. Mais t'es où? Je suis... je sais pas. Attends, je suis vers le pont de bois à droite de la ville, me semble-t-il. Je traverse le pont pour aller à droite. Je suis vers le banc jaune, à côté de la bord. Ok, attends, j'arrive, je sais où t'es. Ok. Je m'assois sur le pont gentiment et je t'attends. Ah non, t'es pas là. What? Ah, t'es de l'autre côté. Yep. Ok. Non, c'est bon, je sais où t'es. Plume rose. Regardez les gens, hein. Regardez. Plume rose. Je suis pas ici. Non. Mais t'es où? Ah, t'es là. Yay. Putain, mais je te cherchais. Moi, je me disais, mais il y a combien de bancs chez moi? C'est pas possible. Et j'écrase toutes tes fleurs en attrapant des plumes. C'est pas cool. Fais attention à mes fleurs. Mais c'est pas de ma faute si les plumes, elles vont sur les fleurs. Bah, faut faire en sorte qu'elles n'y aillent pas. Bah, t'es marrant. Alors. Regarde, mais Lico, il est trop sexy avec son truc bleu marine. Ouais, ça lui va trop bien au teint. Voilà, nous, on a l'air de petites... Non, mais moi déjà, regarde, je suis un mec. On dirait une fille, toi. Oui. C'est un mec, techniquement. Hein. Les gens, j'ai pris un perso mec, hein. C'est un perso mec, hein, je vous rassure.
Tu me suis ou c'est trop... Oui, je te suis. C'est trop loin. Je te suis, t'inquiète pas. Je ne te perdrai plus. Voilà. Alors... Alors moi, je l'appelle mon petit travesti, mais bon, parce que l'année dernière, je crois que c'était une fille. Mais en fait, c'est un mec. Oula. Roberto. Oh. Attention, Léon. Et un et deux. Oh, bon, il danse encore. Oh, mon Dieu. Alors... Vive le carnaval! Le mec, il pète un câble. Tu connais Roberto, mon ami? Roberto, c'est la fête, la fièvre, la folie. La folie, hein. La folie. Ah, petite dédicace à moi, t'es noir. Mais ton corps, il est triste qu'au moins un peu. Moi, bizarre. De mon côté, il a l'air de s'ennuyer à parler avec toi. Bah, pas du tout. Là, il vient d'avoir une idée. Là, il est content. Là, oui. Alors, attends. Ah, Roberto veut connaître la fraîcheur de la plume bleue. Ok, alors moi c'est des plumes bleues qui veut. Oh, attention, Léon, what the fuck. Et 1 et 2 et 1, 2, 3, 4. Bon, il va te faire le même discours. Oui, mais c'est terrible. Ah bah du coup c'est trop dur parce que j'ai tellement de fleurs et tout, j'ai pas envie de les abîmer moi. Sa voix c'est comme une fille mais en fait c'est un mec puisque c'est un paon avec des plumes gracieuses. Alors... Je pense pas qu'il te demandera des plumes bleues aussi. Je sais pas, je vais voir. Je pense pas. Quelle jolie tenue festive. Mais ton corps est triste, what the fuck. Ah ok. Je peux te faire danser. Très bien. Bah écoute, hein, moi dès que j'ai les mots de danser, je danse si tu veux. Oh, je trouve pas de... Ah, il m'a demandé une plume bleue. Plume bleue aussi? Ouais, je crois que... Oh, mais on va galérer. Je crois que j'ai déjà une plume bleue en plus. Hein. Mais moi, j'en ai une. Mais je vais essayer d'en choper genre deux ou trois, tu vois. Ah ouais, il en faut plusieurs, il a dit. Ouais. Et moi, avec un peu de chance, je peux en avoir une sur la plage parce que j'ai eu les deux autres sur la plage. J'ai pas eu le bleu, moi. Peut-être que c'est par rapport au terrain où on est. Enfin, si je dis ça totalement au hasard. Non, je pense pas. L'année dernière, j'ai eu des blanches et tout. Oh, attends. J'en ai une, mais elle est pas bleue. J'en ai une... Bon, ben, j'ai à moitié, donc... Une blanche. J'ai une blanche. Sur la plage, il y en a beaucoup, en fait. Les trois que j'ai chopées, c'est sur la plage. C'est parce que tu pollues tout. Ouais. Pouce vert parce que Jordana elle pollue la plage. Non, mais arrête parce qu'après il y a les pirageux, ils vont mettre des pouces rouges encore. Mais alors on s'en fout. Peut-être qu'ils préfèrent le rouge. C'est la fête, c'est le carnaval. Il y a des plumes rouges, il y a des plumes vertes, il y a des plumes bleues. Et eux ils préfèrent les pouces rouges. Et tant pis pour eux. Tant pis. Regardez, juste quand je dis ça, j'ai attrapé une plume rouge. Mais on s'en fout des plumes rouges. On veut du bleu. Oui. Je trouve pas de bleu. Bah moi non plus. Mais en fait dans la ville j'en vois même pas. Mais c'est la tristesse. Mais en fait à cause de toutes ces confettis, eh ben on voit rien. Bah c'est fait exprès. Mais c'est terrible. Figure-toi, c'est fait exprès qu'il y ait des confettis. merdoum. Genre on est une grosse bande de sadiques, alors on va mettre des confettis comme ça les joueurs ils galèrent bien à trouver des plumes. Mais c'est comme l'hiver je crois avec les flocons. Ouais bah moi j'ai trouvé un flocon et je sais pas à quoi ça sert donc du coup Bah en gros je sais plus mais je crois que tu dois le donner à Mama Yeti ou un truc comme ça. Non bah je le réserverai pour l'an prochain. S'il a pas fondu d'ici là. Oh, je crois que j'en ai une bleue ou une mauve, je sais pas. Une bleue. Bon, alors moi... Là, tu l'as dans l'os, mon ami. Je ne... Ok, direct, vas-y, souviens-toi. Tu l'as dans l'os. Attends, je vais trouver une bleue, tu vas voir. J'en même en trouver deux et tu vas rager. Bah, moi, j'en ai deux. Non. Alors là, c'est toi qui rages à l'heure actuelle. C'est faux, tu n'en as pas deux. C'est... Si, j'en ai deux. Chut, si. Non. C'est ton imagination, tu n'en as pas deux. Oh, ah non, j'ai cru que... Oh, j'en ai une multicolore, trop stylé. J'ai une idée, j'ai qu'à passer derrière Roberto et puis lui voler toutes ses plumes, il verra que du feu. Ça, c'est une idée de génie. C'est quoi aussi, tu la gardes pour l'an prochain?
une plume rouge. Je trouve qu'elle est rouge. Oh, mais il n'y a rien. Ouais, j'avoue, il n'y a rien. En même temps, l'année dernière, j'avais bien galéré. Hein. Finesse. Bah, en même temps, avec tous ces arbres, qu'est-ce que tu veux qu'on voit, là? Bah, c'est ça, le truc. Mais t'imagines, tu fais un cache-cache dans ma ville. Mmh. Là, tu... Ce serait un cache-cache soft, hein, parce que tu pourrais pas courir dans oh, ta ville. Oh, 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 je vois une plume. Attends, je crois qu'elle est blanche. Ouais. Mmh, je trouve pas bleu. Je suis triste. Ah là là. Mais par contre, je sais plus ce qu'on a en cadeau quand on ramène des plumes. Parce que les meubles, on les a pas chez Mimélo, non? Je sais plus du tout. Je sais, bah, je sais pas, c'est mon premier carnaval, donc je ne pourrais pas te répondre, ma chère. Parce que, à mon souvenir, ils donnaient des meubles. Mais je croyais qu'on les avait... Oh, une plume rose. Une petite plume de fillette. Mouah. Ça m'énerve, je tourne en rond depuis tout à l'heure, je trouve pas de plume. Bah moi, je sais pas comment je fais, j'en trouve plein, mais pas des bleus. Ah, une plume jaune. Mais je veux pas de jaune. Je veux une... Bah prends quand même, parce qu'après, il va changer de couleur. Oh, d'accord. Oh bah zut, maintenant, il est au-dessus du lac. Allez, viens. Viens. Ah, on te voit là-bas. Et on vient là non, pas sur... Ouais, sur le pont. Plume jaune. Oh viens. D'ailleurs, t'as un filet doré, j'avais pas remarqué. Ben oui. J'ai tous les objets en or, moi. T'as attrapé tous moi, les insectes. Moi, je te dis, attends, t'as la classe où tu l'as pas. Hein. T'as attrapé tous les insectes. Non, mais tu sais, mes abonnés ont tendance à me faire des cadeaux un peu énormes. Ouais. Du coup, bah, ils m'ont cloné. Enfin, c'était vraiment... Je crois que c'était... Oh, j'avais Animal Crossing depuis même pas un mois, quoi. Bon, je crois que je vais abandonner cette plume parce que les gens ils vont se dire mais attends, tu filmes qu'une plume qui vole par les temps et tu attends là. Mais attends, faut quand même préciser que tu tournes aussi de ton côté. Parce qu'après ils vont rien comprendre. Mais oui, c'est ça. Donc voilà les gens, Lumios à YouTube, Lumios filme, Lumios a fait une vidéo. Oh. Lumios galère. Donc on vous avez... Et Lumios c'est là. C'est ça. Vous avez la Luluvision et la Jordivision. Non, Jordivision, ça fait division, j'aime pas. Bah, vous avez la Jojovision. Ouais, la Jojovision, c'est bien. La Jojovision. Ou la Didi, non, pas Didivision. Ça fait encore division. La vision de folie. Putain, mais je vois pas de plume dans ta ville, c'est terrible. Hein. Mais moi non plus, là, j'ai une petite panne sèche. Soit je les vois pas parce que je suis complètement aveugle, soit elles sont toutes au-dessus d'un étang ou d'un lac ou de la mer. Elles me... Bah moi je vais quand même me voir parce que tout à l'heure j'en ai chopé plein sur la plage. Je vais retourner sur la plage. Ah faut pas faire gaffe aux motifs en fait, je suis passée devant tout à l'heure mais... Tentative de création de motifs. Oh ah bah voilà, je savais qu'il y en avait sur la plage. Vous savez quoi, les gens? Une plume jaune! On va voler la technique à Jordi et on va aller sur la plage. Et on va voir non si on gagne des plumes. Si on gagne des plumes. C'est mon secret! Oui, c'est ton secret, vulgaire à plein. Oui, bon, c'est plus un secret vu que je l'ai dit. Mais non, mais j'en aurai. Alors, on va sur la plage et que trouve-t-on? Une Jordi! Ah plume rose. Attends, je vais les attraper. Attends, elles... Non. En plus, je cours pas. J'ai la flemme aujourd'hui. Moi aussi, je cours pas. J'ai trop peur d'écraser tes fleurs. Oh. Tata. Non. Oh non, s'il te plaît. Où est-ce que... Je l'ai vu. Ouais. Non. Oh, punaise. Ah non, c'est mort, celle-là je l'avais vue avant toi. Je te hais. Je l'avais vue avant toi. Je m'en fous, je te hais quand même. Et t'as vu? Je mentais pas, je disais, il y en avait plein sur la... Oh, il y en a encore une. Il y en avait plein sur la plage. Putain, mais les gens, je crois que je vais déprimer. Je crois que je vais... Façon... Mes poches, elles sont pleines là, non? De toute façon, voilà, elle va être full inventaire. Il faut pas lui dire comme ça. Elle m'a assuré toutes les plumes bleues. Plumes bleues. J'en ai beaucoup de blanches, par contre. S'il demande des blanches, là, je suis pleine. Non, il n'y en a pas.
En même temps, c'est un comble d'être pleine de plumes blanches, d'avoir un full inventaire plumes blanches. Je veux dire, ça prend Pourquoi? pas tout un inventaire. Je veux dire, tu peux avoir des fossiles dans ton inventaire qui prennent une place, et puis t'as des plumes. Mais j'avoue, pourquoi attends, ils ont pas fait comme pour les fruits, tu sais, mettre des lots Ouais, voilà, pour les plumes. Des petits packs de plumes. Voilà, on a donné une idée à Nintendo pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, quand ils vont commencer à créer un nouvel Animal Crossing, je dis des conneries, mais j'en sais rien. Mais tu crois qu'ils vont créer un nouvel Animal Crossing sur Wii U? Oh, je pense. Non, pas sur Wii U, je sais pas, mais... Parce qu'avec le beat que ça a fait sur Wii... Oh, franchement, attends, j'ai toutes les versions à part GameCube, et celui de la Wii était pourri. Oui, c'est... moi, je me suis... Oh. C'est pas que c'est pourri dans... Non, mais y a rien à faire, quoi. Si t'as pas Internet, en gros, t'es dans la merde, hein, si t'as pas Internet sur ta Wii. Oui, c'est ça. Non, mais Animal Crossing, j'ai plus l'impression que c'est plus portable que console de salon, hein. Parce que sinon... Bah ouais. Après, peut-être que les gens qui ont joué sur la version GameCube, ils sont habitués, tu vois, parce que comme c'était sur... Ouais. Non, mais c'est juste que, tu vois, moi, j'avais pas Internet sur la Wii. Donc, du coup, bah, j'avais pas de fruits, j'avais rien. Du coup, j'avançais pas. J'avais rien du tout. J'ai trouvé une plume violette. Mais par contre, tu sais, j'adorais quand il y avait des ponts qui étaient en 3D et tout, genre tu... Ouais. Ça coupait le plat, ouais. Ouais, oh, c'était trop bien, j'adorais. Je faisais, je passe sur le pont et tout. Il y avait une petite pente pour descendre en bas de la ville, j'y allais, tu vois. Mm-hmm. J'adorais ça. Ça y est, j'ai une bleue, les gens. Va les donner à Roberto pour voir. Hé, Roberto, tu veux... Donne-lui en plusieurs. Oui, mais je peux pas plusieurs. Attends, waouh, incroyable, tu as une plume bleue. Ah, il faut 3 plumes à chaque fois. Ben voilà, moi, il m'en manque une. C'est la tristesse. On pourra pas vous montrer qu'est-ce qu'il nous donne. Ah, je t'ai vu. Non, c'est pas vrai, tu me vois pas. Je me cache si, dans je t'ai les vu. Arbres. T'es en haut. Je suis une pomme. Baka. Hey. Attends, je te vois plus. Je te vois plus. Bah moi, je te vois. Nananère. Non, sérieux? Ouais, je te vois. Ah ouais, bah je te vois aussi. Non, tu me vois pas. Bon, allez. Je retourne à ma plage fidèle. Non, alors... c'est pas vrai, je ne te suis pas. Tu sais qu'il y a 2 plages quand même sur mon... Je sais. Mais sur la plage du bas, il y a plus. Ouais. Et c'est obligé techniquement, puisqu'en bas, la plage, elle est très grande. Il y a plein de bordel dessus aussi. C'est ça. En même temps, il n'y a pas vraiment de plumes là. Votez Lumios comme maire d'Animalia. Comme merde ou mère? Mère. J'ai pas compris. Mère. Ah. Mère. Apostrophe Animalia. Parce que... Non, parce que t'as dit mère d'Animalia. J'ai compris merde d'Animalia. Non. Plus de plage polluée. Attends, what? J'ai une plume là. Une plume violette. En bas de la falaise. Oh, ah, ça y est, je l'ai eu. Oh, les gens pourront dire que j'ai eu du skill là parce que la plume elle était en bas de la falaise et j'ai quand même récupéré. Oh yeah. Je crois, tu penses pas que les abonnés ils vont s'ennuyer à force qu'on cherche des plumes et qu'on trouve pas? Ils vont nous écouter. Ça fait 20 minutes presque qu'on a fait la vidéo là. Oui, exactement. D'ailleurs, on va bientôt arrêter. Ouais. Bon, les gens, d'ici 2-3 minutes, je pense qu'on arrête. Voilà, parce que c'est une petite calamité. Sinon, attends. Je sais pas, parce que... Meuf. Non, mais attends. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'en penses quoi si, par exemple, moi, je te file les plumes, ou toi, tu me files les plumes, et qu'il y a un de nous deux qui va les donner à Roberto? Ben... Après, il changerait les couleurs pour nous deux, ou juste pour une personne? Je pense que pour toi, hein, mais tiens, je te donne les plumes bleues que j'ai. Attends, on va juste tester. Bah, donne-en une, j'en ai 2. Voilà. J'en ai qu'une de toute façon. Ok. Bon, allez, ouais, attends. Genre, on va bientôt voir qu'est-ce qui va. On va sur la place. Comme quoi, les gens. Je te donnerai le cadeau parce que perso, je m'en fous un peu. Comme quoi, les gens, la morale de cette histoire, c'est coopérer, c'est bien pour la vie. Voilà. Alors, attends. Allez, le petit danseur. Regardez-le bouger. Waouh, Roberto voit ce costume partout aujourd'hui. Il aime beaucoup.
Alors, est-ce que t'as les plumes? Oh, Roberto n'en croit pas, c'est Mirette. C'est une plume irisée. Quoi? 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 Il veut ma plume multicolore. Elle est à moi, touche pas. Alors, tu en as un, deux, trois. Oui, 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 si, tiens, mes plumes. Non mais attends, il voulait ma plume multicolore, il va pas bien. Mais peut-être que ça rapporte un objet super rare. Ouais, bah je sais pas, mais je vais lui donner après. Tu le vois danser là ou pas? Non, quand il te parle, je le vois pas danser. Ah, attends, le carnaval sera bleu. Ok, non. Un mur carnaval, bah tu vois, il donne les meubles en fait. Oh, très bien. Bon, je te le donnerai. La plume verte, mais j'en ai pas. Je sais pas si j'en ai moi. Eh, on a aucune plume verte. Non, j'en ai pas trouvé du tout. Oh, la misère. Oh, bah voilà, maintenant tu vois, t'as une plume bleue là. Yay! Quand on n'en veut plus. Bah moi j'en veux. Je vais quand même pouvoir donner ma plume multicolore parce que ce que ça fait. Ok. Donc, alors, sur les audio descriptions pour ceux qui regardent ma vision. Hein. Voilà. Bah, je la donne. Roberto veut cette plume! Donne! Il est taré! C'est ça. Ah, Roberto est comblé! Oh, il me tue. Splendide. Genre, tu sais, il écrit toutes les couleurs. Allez, bouge ton corps. Écoute, Roberto. Profite du dance floor. Vive le carnaval. Oula, il est malade. Il a l'air de te gueuler dessus. Mais c'est ça, hein. Il est malade. Mais il me donne rien. Il te donne rien avec la... Attends. Quand il aura fini sa petite chorégraphie, là... Cette plume est parfaite et il commence à chialer. Oh ouais, c'est ça, mais je lui dis Roberto est déchaîné, il est chaud comme la braise. Et c'est grâce à toi. Là, il applaudit. Ouais, un canapé carnaval. C'est tout? Mais c'est de l'arnaque. Ok, attends. Roberto veut plus de plumes. À présent, la plume verte. Bah oui, je sais, la plume verte. Très bien. Bon. On va dire au revoir parce que la mémoire de mon téléphone ne me permet pas de continuer. Oh, c'est mal. Ouais. Donc voilà, si tu veux te faire un peu de dialogue, je t'en prie. Eh bien, je te remercie de m'avoir accueilli dans ta ville pour cette fabuleuse aventure de plumes. Mm-hmm. Bah, de rien. Attends, je tiens quand même à préciser parce que les gens... ont quand même le droit de savoir un petit peu, c'est que l'année dernière, en fait, le carnaval était le 3 mars. Donc, il n'y avait plus neige, je crois. Il n'y avait pas de neige le 3 mars, vu que la neige s'en va le 25 février dans votre jeu. Et du coup, je sais pas pourquoi les gens ont dit le carnaval, c'est le 16 février cette année. Voilà, juste pour vous enquiquiner. Et du coup, je l'ai appris hier. Donc, c'est pour ça que Lumios a accepté de faire la vidéo. Parce que, bah, on est super potes. Yep. Pas vrai? Et du coup, bah voilà, j'avais pas vraiment de projet parce que je croyais que j'avais encore le temps de faire la vidéo. Donc voilà. Même toi, je suis sûre, tu savais pas que c'était aujourd'hui. Plume rose! Merci pour le vin de cette question. Oui, non, mais je savais pas, moi, je suis pas du tout événement Animal Crossing, moi. Voilà, bah faut se mettre à jour, mon coco. Ah, c'est dur. Bon, eh ben, on vous fait de gros bisous. Nous, on va continuer à chasser les plumes. Ouais. La plume verte. Donc, ouais. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager si vous le souhaitez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez. Eh oui. Bye bye. Tu as aimé la vidéo? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ah, ne clique pas sur les boutons. Ce sont des faux.